C'est le dernier voyage du commandant Robert Pigé. Il prend sa retraite d'Air Transat. Ça fait drôle, c'est la dernière fois que je pense là. Aujourd'hui, c'est toutes les dernières fois. Aujourd'hui. Il ne sera plus en uniforme lorsque les gens vont lui demander sa photo. 3, 2, 1, ici. Parce qu'ils continueront à le faire quand ils reconnaîtront. Parfait. C'était en 2001, mais personne n'a oublié. Pour moi, c'est un héros. Il a sauvé la vie de centaines de personnes. Il a été brave et puis je pense que sans lui, les gens seraient morts. Vol 236, Toronto-Lisbonne. Il y a une fuite. L'avion perd tout son carburant. Les moteurs s'arrêtent. On ne pensait pas de se rendre. Hein? C'était pas évident, là, quand c'était le temps de s'en aller aux Açores. C'était pas évident de dire, je vais me rendre. J'étais quand même à 100 000 nautiques, 160 km. Hein? Puis là, tes moteurs ne fonctionnent pas. Comment cet avion-là va réagir? Puis toi, en tant qu'être humain, tu vas mourir dans 10 minutes. Là. Comment tu réagis à ça, premièrement, à ta mort imminente? Puis après ça, tu te réveilles, tu es commandant de bord. Il faut que tu fasses quelque chose pour sauver la vie de tout ce monde-là. Puis l'avion, il plane. Et ça vous a surpris? L'avion, ça m'a surpris que l'avion se comportait très bien. T'sais. Le commandant Robert Pigé a réussi à poser l'engin au sol sans carburant ni moteur. 160 km en vol plané. Le supplice des 293 passagers et 13 membres d'équipage va durer 20 minutes. Une éternité d'angoisse mortelle. Ce que le commandant Pigé a décidé de faire ne figure pas dans les manuels de pilotage. Je pense qu'un gros porteur avec une perte de carburant massive qui amène à l'extinction des deux moteurs en plein milieu de l'océan Atlantique de nuit, je pense pas que c'est une urgence. Moi, je pense que tu tombes en survie. C'est une coche plus haute que l'urgence. Là, c'est plus une question de procédure, c'est une question que tu es en survie, puis il faut que tu fasses ce que tu as à faire pour rester en vie. La survie t'amène une certaine adrénaline à l'être humain qui permet de faire des choses qu'en temps normal, il n'aurait pas été capable de faire. Je ne me considère pas comme un héros, mon cher monsieur. J'aurais pu me passer de celle-là, je peux vous dire ça. Il aurait pu s'en passer. Et puis, il sait que bientôt, la presse va révéler qu'il a été condamné à 10 ans de prison aux États-Unis pour trafic de drogue et qu'il a passé 16 mois derrière les barreaux. J'ai fait de la prison quand même, tu sais. Fait que, quelque part, c'est pas une affaire que tu es fier d'afficher. C'est ça que le monde parlait. T'sais. Aussitôt que j'ai fait mon atterrissage, je suis devenu un héros. Une semaine après, j'étais le zéro. Hein. Fait que c'est beaucoup d'émotions pour un être humain à gérer en très peu de temps. Hein. En dedans d'une semaine, là, j'ai eu toutes ces émotions-là à gérer. Parce que moi aussi, j'ai manqué de mourir. Cet instinct de survie, Robert Pigé nous a confié qu'il l'avait acquis en prison, justement. Je suis certain que cette expérience-là, vécue il y a 20 ans, m'a aidé ce soir-là à nous sortir du pétrin. Félicitations, merci. Le commandant Pigé s'en est remis, mais ce n'a pas été facile. Les Québécois se sont mis en arrière de moi. Si je n'avais pas eu les Québécois, la réaction aurait pu être contraire. Ouais. On ne veut plus voler avec lui, c'est un drogué, c'est un ci, c'est un ça. En tant que personne, là, ça m'a pris au moins 2 ans à redevenir l'homme que j'étais. Là. Je trouve que c'est un homme résilient. Je suis vraiment honorée de savoir que ce soir, il est avec nous à bord de l'avion. Voilà, merci. Le commandant Pigé se prête toujours de bonne grâce aux demandes du public. Sa popularité l'aide pour sa fondation, qui finance des organismes qui œuvrent auprès des personnes qui ont développé une dépendance à l'alcool, à la drogue et aux jeux pathologiques. Que va-t-il faire de sa retraite? Voyager. Mon rêve, quand j'étais jeune, c'était de faire le tour du monde. Puis ce que je ne comprenais pas, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeune, il fallait donner un 10 sous pour les Chinois. Ouais. Il y avait un genre de petit présentoir à l'école, il fallait mettre un 10 sous pour donner ça aux Chinois. Puis ça m'intriguait, j'avais 7-8 ans, pourquoi il faut que je donne un 10 sous pour le Chinois qui reste à l'autre bout du monde? Un jour, j'aimerais aller voir pourquoi. Puis la passion du voyage m'est venue là. Ce soir, il part pour Rome. C'est un souhait de sa femme pour son anniversaire. Mardi, il ne pourra pas dire non. On lui a permis de choisir son dernier vol et son copilote. C'est un bon ami. C'est sûr qu'on va peut-être se tenir en contact de temps en temps. Manqué, parce que j'ai volé beaucoup avec. Merci à toi. Merci à toi, ça va marcher. La vie de pilote international, gros porteur, ça va me manquer. Les pilotes du monde entier considèrent que le commandant Pigé a réalisé un des plus grands exploits de l'histoire de l'aviation. Le 24 août 2001, il est entré à jamais dans la légende. 402 à destination de Rome, ceci est votre dernier appel d'embarquement. Merci.